c'est là. C'est du béton, Lino. Tu crois vraiment que tu vas traverser ça avec une Clio? Quoi? Non, 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 non. La faute à qui si on est là? Je sais, mais il doit bien y avoir un autre moyen de trouver 10 000. On va traverser cette vitrine. On prend tout ce qu'on peut et on se casse. Ok, laisse tomber, je vais trouver un autre moyen de le rembourser. J'ai besoin d'un max de poids à l'avant. La question ne tiendra pas, Lino. Ceinture. Casse-toi! Nous bouge! Je suis vraiment content que tu sois venu. Comment se passe, s'il te plaît? Bon, c'est lequel? Celui-là. Oh. Ce mec a traversé 4 épaisseurs de béton armé. Il a fait ça avec une Clio. Il s'est à peine foulé le poignet. Je m'en branle. Tu veux qu'on arrête ce trafic? Alors laisse-le-moi. Le juge est OK. Tu peux pas trouver un gars ailleurs qu'en tôle? Non. C'est un magicien dont j'ai besoin. Et lui, c'en est un. Fais-moi confiance. Ok, mais je te laisse un mois. Et pas un de plus. Tu me ramènes 2 chaises, s'il te plaît? Je suis le chef d'une équipe anti-GoFast. Je suis pas dans le GoFast. Je sais. Regarde ça. Tu as rien à voir là-dedans. Je sais. Prends. Mes voitures sont pas à la hauteur. Aucune puissance, aucune résistance, aucune chance. C'est quoi votre caisse à vous? Une Renault 21, 2 litres turbo. Non, tu te moques pas? C'est la première voiture d'interception utilisée par la gendarmerie. Je suis au courant. Mon père en avait une. Bon, vous voulez quoi? Que je recommande à mon dépanneur? Non, plutôt un beau mécano. Genre qui fait rien pendant les 2 prochaines années. Ça veut dire quoi, ça? Que j'en ai plein le cul que mes équipes se fassent écraser comme des hérissons. Je veux arrêter ces putains de dealers. J'ai les meilleurs pilotes. Tu
vas leur donner les meilleures voitures. Vous êtes sérieux, là? Et te fais pas tuer pendant la nuit, hein. Je viens te chercher à 7h. Ta pente. Interception 10-2, BM en visuel. GoFast confirmé. Je suis dessus, j'arrive. Laisse tomber, Areski. Julien est sur le coup. C'est bien, ça. Allez, vas-y, cueille-le maintenant. Bloque la circulation. Alors c'est qui le patron? On était dessus, putain. Vous continuez dessus jusqu'à Paris? Eh hey. Ah. Oh. Oh, c'est bon, ça. Tu veux voir ça? Oh, putain. Jeff, t'as lancé pour le spoiler de la 300? Jeff? Quoi? Le spoiler! Ça fait 3 mois que j'attends! J'ai dit que ça arrivait le 21. Ah oui, sinon faut qu'on commande. Julien? Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, j'étais dans le passage. Ouais, exact, ouais. Alors tu retournes sous ta caisse. Charas? Quoi? Je peux rester là cette nuit, s'il te plaît? Encore? Ok, je préviens la prison. Mais demain matin, tu retournes en cellule. Alors? Oh, il va pulvériser, mec. Combien? Frontal 140. Vitesse de pointe? De 40. Ouais. J'ai pas encore optimisé le transfert de masse. Oh, tu nous fais chier avec tes trucs, là. Chut, tu vas nous tuer. Chut. Jeff, tu veux bien aller sur le pont? On a fêté ça avec les gars, tu viens avec nous? Non. T'inquiète, Julien va y arriver.
pas Julia qui m'inquiète. Attends, tu me fais quoi, là? Je viens de risquer ma vie pour toi. En 6 mois, il n'y a pas un gofas qui nous a échappé. Tu sais que c'est pas vrai. Pour chaque gofas qu'on attrape, il y a combien de kilos qui nous passent sous le nez? 200? 300? Ils sacrifient des cargaisons entières. Ils nous donnent à bouffer et nous en mangent. Je suis sûr qu'ils ont des infos sur nous. Mais de qui tu parles? Qui ça, il? Je vais pas tarder à le savoir. Tu surestimes l'adversaire. Je crois que t'as gagné cette guerre, Charles. C'est un peu grâce à moi, c'est tout ce que je dis. Si tu changes d'avis, tu te nous rejoins. Non. Jeff, tu veux boire avec nous? À lundi, Lilo. Faut vraiment que t'arrêtes avec ça, hein. Allez, viens, monte. Je dis juste que tu as une caisse de collection et que tu ne laisses même pas y jeter un coup d'œil. Non, personne ne touche à ma 2 litres turbo, regarde-moi ça. Alors déjà, je suis pas personne dans le milieu de la mécanique, excuse-moi. Et une nuit... Non, je t'ai dit non, non, jamais de la vie, point, stop, on arrête. Bon, bah alors accélère. Parce que si je suis pas dans ma cellule à 8 heures, ça va être ma fête. Oublie ton bracelet un peu. C'est moi qui fixe les règles. Aujourd'hui, on fait un écart. Ça te plaît, tout ça? Bienvenue dans notre futur garage, Lino. J'aime ta tête. Mais attends. Le meilleur, c'est ça. C'est une blague? Effectif dès la semaine prochaine. Moi, ça validait ça. En personne.
Il me fait pas marcher, Chara, joue pas avec moi. T'excite pas, mon grand. C'est une liberté anticipée, mais à ses conditions. Puis tu la mérites. Tout ça, c'est aussi grâce à toi. Ouais, bah tu devrais peut-être le dire aux autres. Un tollard dans l'équipe, ça s'étage, c'est ça? Ça fait 9 mois que je te vois te défoncer pour même pas un merci. Je crois aux secondes chances, Lino. Tu fais trop confiance aux gens. Mais surtout, change rien. Oh, tiens! À propos de confiance, j'ai trouvé ça dans le GoFast d'hier. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? C'est un dérivateur d'injection. Ouais. Ton moteur prend 300% de puissance. Par contre, ça dure 200 mètres avant que ça pète. Ok. Sauf que la dernière fois que j'ai vu ce machin, c'était dans une Clio qui a fini dans une bijouterie. C'est exactement le même. Et t'étais pas tout seul ce soir-là? Un an de passage, Charas. C'est comme mon petit frère. C'est pas lui que je veux. Je suis sûr qu'il travaille pour les mecs que je cherche. Quentin, c'est pas un cerveau. Il est juste abonné au plan foireux. Il va falloir combien de temps avant que ton petit Quentin il se retrouve derrière un volant qui finisse encastré dans le radiateur d'Areski? Tu me donnes ta parole. Tu l'as, ma parole. T'es sûr qu'il est là? Non. Attends, on attend Areski. Il répond pas, Areski. T'as 2 minutes, pas une de plus, hein. Areski, putain, décroche ton portable. Je suis avec Lino, ça peut péter. Rappelle quand t'as le message. Surprise! Oh, tu t'es lancé dans la cartographie? Arrête tes conneries, il faut que tu bouges, frérot. Alors déjà, tu vas me faire un câlin. Lino, passe-moi ton numéro et je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Tu cherches quelque chose? Non, je suis venu voir mon frangin. Ton frangin, il est occupé, repasse une autre fois. Je vais pas le laisser... faire un tour de 3 heures. On va boire un coup et je vous le ramène, on sera pas long. C'est toi qui l'as fait venir ici? Mais rien du tout, il faut que tu te casses. Mais c'est bon, Quentin. On devait passer la journée ensemble, on passe la journée ensemble. Tiens, tout le dehors. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Oh! Lino! C'est fou le nombre de conneries que tu peux faire en 2 minutes, toi. Hein. Fouille-le. Putain. Mais dis donc, je le connais, ce beau visage, là. Vois ta tête. C'est quoi ton blaze, là, toi? Lino, va me chercher la caisse. Marco. Marco. Mets les pinces à ces deux-là. On va les faire causer. Bon, tu m'expliques, là? Attends, je m'en occupe de lui. Non, je m'en occupe. Je m'en regarde. Je t'ai dit non, je m'en occupe. Le laisse prendre une gosse sur ta gueule. Allez, rentre là-dedans. Tu sais dans quelle merde on est là? Allez, démarrez là! Et on va faire... Démarrez, putain! J'arrête! Lino, bouge! Bouge, ils vont te flinguer! Ils vont te buter, putain! Casse-toi!
Tiens, Jack, vous me la cramez, vous me la désossez, je veux plus qu'il en reste rien, tu me la crames! Un téléphone, passez-moi un téléphone. Bouge pas, tu bouges pas. Pose ton téléphone. Pose le téléphone. Julia, décroche. Allez, lâche. Décroche. Lâche. Putain. Allez, donne. Allez, donne. Il fouille. Non, il a rien, c'est bon. Un autre charas, toi, hein? T'es pas censé être en taule le week-end, toi? Ouais, charas, c'est Bruno. On m'a amené ton mécano. Il était armé, rappelle-moi. Hé. Hey. Vous pouvez appeler Julia, s'il vous plaît. Elle fait partie de la brigade, je parlerai qu'à elle. Julia. C'est toi. Tu permets, hein? Il n'y a personne qui viendra, Lino. Assieds-toi. T'as que moi. Charas et sa bagnole. On t'a chopé avec son arme. Son sang sur tes fringues. Ouais. Il y a ça aussi. Arisky, putain, décroche ton portable. Je suis avec Lino, ça peut péter. Rappelle quand t'as le message. On regarde pas comme ça. J'ai pas été sympa à moi avec toi. Charas,
Toujours pas. Ah, Bruno, j'ai besoin que tu m'aides sur ce coup. Ça, c'est que mon mécano a été arrêté. Bon, laisse-moi m'occuper de la paperasse. Dans une heure, il est à toi. Une heure? Je peux pas faire mieux. Ok. Bon, jusqu'à la personne s'approche de lui. Tu comptes sur moi. Je t'envoie ça. Y va. À chaque fois, la porte, Tarasky. Fais gaffe derrière toi.
celle-là. De sa trace au niveau des quais. Il l'a battu comme un chien. Il n'a pas pu se faire avoir comme ça. Pas lui. Lino nous a tous bernés, boss. En attendant, il est dans la nature. 10 flics sur le carreau, pas un pour l'arrêter. Vous étiez où, vous deux? Je suis prêt, là. Je vais me rattraper. Donnez-moi le commandement. C'est parce que Charas aurait voulu, tu le sais très bien. Toi, Max, ça te ralentit, ces merdes. Comment on va faire avec Moss? Je m'occupe d'elle. Comme tu t'es occupé de Charas. Espèce de petite merde, tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi, j'ai les couilles d'agir pour nous protéger tous les deux. C'est comme ça que tu me remercies? Je te dis plus jamais ça. Je te le dis. Je laisserai pas Moss foutre sa merde. La brigade, elle est à nous-mêmes. Imagine, on va pouvoir faire passer deux fois plus de cargaison. Sans Charas, c'est open bar. Tu vas trop loin. Si Lino, il se fait choper. Mais si Lino se fait choper, on sera les premiers informés. Tu connais les gars, non? Et s'il parle, qui va le croire? Personne. Il est grillé, Lino. Je suis pas serein, mec. Pourquoi Jacques, il a pas cramé Charas avec sa caisse? Putain, tout à fond, je viens de le dire, on a tout cramé. Putain, y a pas de preuves! Arrête de faire ta petite chatte, là. Merde! On va s'occuper de Jacques, de Cad et du gosse. J'ai besoin de toi, Marco, ok? Ouais, saisis-toi, là. Hein? J'ai besoin de toi, là, Marco. Allez!
juste te parler. J'ai été piégé par Areski. Il a tué Charas. Je peux pas me rendre, Julia, j'ai aucune preuve. Ok, ok. Ton cas là, putain. J'arrête. C'est pas les bonnes jantes. C'est pas sa caisse. C'est pas la caisse de Charas. Lino, détache-moi. C'est quoi? Putain, j'en sais rien, j'étais enfermé dans les vestiaires, j'ai rien vu. Non mais, je passe pas crédit avec toi. Je veux que ça fait. Mais vous m'écoutez pas. Ça va, tu t'es blessé? Mais c'est bon, je m'en occupe. Moss, c'est ma collègue. Tu vas la laisser souffler deux minutes, elle répondra à tes questions après. Il t'a menacé? Non. C'était bizarre. Il était pas cohérent, il t'a impliqué, toi et Marco. Il veut entrer dans ta tête et te bouffer le cerveau. Et compter sur toi pour l'aider à s'enfuir. Je ferai jamais ça. Je sais, ma belle. Quand il viendront pour toi, je serai là à tes côtés. Qui va venir pour moi? Moss. Mes collègues dehors. Si, ça, pour Lino et toi. Oh, tout va bien. Calme-toi. On leur dira rien, ok? Y a rien eu de sérieux entre nous. Je sais. Prends le temps. Ouais.
C'est quoi ce bordel? Pourquoi les bagnoles sont immobilisées? T'en as pas besoin pour traquer Lino. Je vais rester un peu vu le bordel dans lequel vous êtes. Mais c'est pas nécessaire, l'équipe est parfaitement opérationnelle. Y a plus d'équipe. Me retirez pas la brigade. Enlève ta main. Pourquoi tu m'appelles, toi? Me faites pas payer les erreurs de Charas. Est-ce que tu vois ma présence comme une punition? Alors sors-toi cette brigade de la tête et concentre-toi sur le mécano. Je vais vous le ramener. Et allez-y doucement avec Julien. Ne faites pas payer sa relation avec Lino. Bonne journée. Vous avez déconné, les gars. Ah ouais? Je sais que vous n'avez pas fait brûler la caisse de Charas. La balle d'Areski est toujours dedans. J'ai fini. Ils vont le tuer. Oublie-le, c'est plus notre problème. Elle démarre. On va chercher la thune et la dope, là. On n'est pas là pour ça. Mais mec, on en a pour 2 minutes. Non, non. Je m'en fous, je me rendrai pas de ça. Tu te rends pas, c'est moi qui te livre. Je te sauve la vie, et voilà. Putain, mais je t'ai rien demandé, moi. J'avais pas besoin de toi. Je suis pas taillé pour la prison. J'ai bien plus de piges pour ta gueule. T'étais dehors au bout de 3 semaines, arrête. Tu crois que je dormais où, tocard? Et quand j'étais dehors, c'était pour bosser chez les keufs. La vérité, c'est que t'as jamais autant kiffé. J'étais là quand le flic est mort, je suis sûr que t'as chialé. Ce flic est mort à cause de toi. Tu ne parles plus jamais avec lui, compris? Excuse-moi. Je flippe, ok? C'est bon. Écoute-moi. Ça va, je te dis. Mais putain, écoute-moi. Je t'ai entendu parler de la voiture tout à l'heure, celle avec la balle d'Areski. Tu vas me dire que tu sais où elle est? Ah oui, c'est moi qui l'ai planqué. Jacques, il a une autre planque, mais Areski la connaît pas. T'essaies juste de gagner du temps. Même si je sais où est la caisse, comment je la ramène? Je peux pas prendre le risque de tomber sur Areski ou Marco. Vraiment ce que j'attendais. Hé, ton mécano, là. Écoute bien ce que j'ai à te dire avant de faire une connerie. Tu crois que t'as le contrôle?
désolé. J'ai plus de cartouches. Attends. La voiture, c'est pas mon idée. Tu me laisses partir, je t'ai dû aider. Quoi? Quelle voiture? De quoi tu parles? La voiture du policier. Jacques l'a pas brûlée. Il a demandé au petit de la cacher. Je peux t'emmener. Elle est dans une grange, pas loin. Je t'écoute. Julia! J'ai fait ce que t'as dit. Vu l'état du châssis, de la direction, c'est une caisse qui a pas roulé depuis des années. Lino avait raison. C'est pas la voiture de Charas. Moss. Non, pas le temps, pas le temps. Lino vient encore de semer deux cadavres. Vous êtes sûr que c'est lui? Je vais faire comme si j'avais pas entendu. C'est pas ce que vous croyez, Moss. Jeff vient de me dire que la voiture... Je t'aime beaucoup, Julia. Mais RSKI m'a dit pour toi, Lino. Alors tu bouges pas d'ici jusqu'à ce qu'on l'ait attrapé, c'est clair? Il avait la tête dure. Qu'est-ce que tu fous? Je viens de débarrasser du fusil. Bah, t'es pressé? Non. Bah, tiens, débarrasser du fusil quand on aura fini avec Moss. T'as dit quelque chose? Plus de témoins, plus de problèmes. Encore deux, c'est fini, Marco. Moi aussi, je suis un témoin. Je sais ce que je fais. Julien, c'est Lino. Allô? Donne-moi une bonne raison pour pas te raccrocher à la gueule. J'ai pas tué Charas et tu le sais. Et les deux cadavres à la casse, c'est pas toi peut-être? Ils étaient vivants quand je les ai quittés. Je suis sûr que c'est RSKI et Marco qui les ont trouvés. Je me trompe? Bref, tu vois la place où Charas nous a présenté? Mais ils me prennent pour ta putain de complice! Non, je sais même pas pourquoi je te parle là. Je recommence. Tu vas prendre ta voiture et tu vas venir sur la place où on s'est rencontrés. Viens seul.
Vas-y. Je m'appelle Quentin, j'ai 19 ans, né sous X. J'ai passé mon enfance dans des familles d'accueil. C'est là où j'ai rencontré Lino. Il m'a tout appris. C'est de ma faute s'il a été en prison et c'est de ma faute s'il va y retourner. Je travaillais dans une case pour rembourser des mecs à qui je devais de l'argent. Il s'appelle Jacques et Kat. Abrège, ils sont morts. Je préparais des caisses pour des GoFast. Et Lino est arrivé ce matin avec l'autre flic. Charas. Charas. Il voulait m'embarquer, mais là, il y a un autre flic qui est arrivé qui lui a tiré dessus. Areski. Areski. Je l'avais déjà vu à la casse, mais je savais pas qu'il était flic. Enfin bref, j'ai tout vu. Voilà comment je vois les choses. Un, tu nous embarques. Areski nous bute avant que Quentin puisse témoigner, t'as nos morts sur la conscience. Deux, tu pars avec nous et rentre tous les trois avec une preuve. Qu'est-ce que t'en dis ? Faut être taré. C'est qui ces mecs ? Des préparateurs de GoFast. D'anciens potes de Lino. Tu vas à la ferme et tu me trouves cette putain de voiture. Les gars, ils ont arrêté Julia. Elle était avec Lino, elle l'a aidé à s'enfuir. Et devant témoin cette fois. Monte avec moi. Non, mais j'ai ma voiture. T'inquiète. J'attends la scientifique, je te ramène ta caisse. Areski ! Arrive. Il m'a dit qu'ils étaient morts, il n'y a personne, t'inquiète. Il n'y a que moi qui connais la planque. Je vais essayer de trouver la clé. T'as, bouge pas. Évidemment. Bon. Quentin ! Quentin ! C'est pour ça qu'il m'a fait venir ? Mec, regarde tout le fric qu'on a, là, putain. Mais c'est quoi que tu comprends pas? C'est la caisse dont j'ai besoin. Mais putain, on peut en acheter 10 000 des caisses avec. Oh! Quentin! Hey.
Lino ! Je suis juste venu pour la voiture ! Dis-moi où elle est ! Viens aider le petit ! Comme tu veux. Thank you.
je l'ai, Julia. Putain, je l'ai. Julia ? Julia sera plus en mesure de te répondre pendant un long moment. Appelle-moi directement la prochaine fois, tu gagneras du temps. Elle sait tout. Personne ne la croira, t'es tout seul, Lino. J'ai croisé Marco. On a parlé un peu de toi. La discussion s'est pas très bien terminée. Toi aussi, t'es tout seul maintenant. T'inquiète pas pour ça. J'ai hâte que tu vois mes nouveaux pilotes. Maintenant que Charas est plus là, c'est moi qui ai les clés de la brigade. T'es un homme mort, Lino. C'est marrant que tu me parles de Charas. Il t'a laissé un petit souvenir. Tu veux savoir ce que c'est ? Ah ouais, vas-y, dis. Allez, un indice. C'est une voiture. Rouge. Avec la balle de ton flingue à l'intérieur. Tu dis de la merde, j'ai déjà en version cramée, connard. Jacques a gardé la vraie. Oh, Marco, t'as pas dit ? T'as pas la caisse. Tu reconnais ? Écoute-moi, tu espèce de fils de pute. On va te trouver. Je serai premier sur place. Économise ton essence, je vais te la déposer au hangar. C'est moi ce qui sera contente. Mais t'atteindras jamais le hangar, connard ! Tu feras pas 100 mètres avant qu'on m'avertisse. Écoute-moi bien, petit enculé. Je vais te laisser une dernière chance. Tu vas partir loin de cette caisse, très loin. C'est un minimum d'instinct de survie, tu m'entends ? C'est Charas qui m'a laissé une chance. Et je vais pas le décevoir, fils de pute. Le premier qui me soulève, Lino, il gagne une place dans la brigade. Je sais que Charas comptait beaucoup pour toi. T'es encore sous le choc. Ça peut jouer en ta faveur. On fait tous des erreurs quand on est sous pression. Charas avait des grands projets pour toi. Et s'il était encore là, s'il était encore là, il serait du côté de Lino. Donc tu préfères flinguer ta carrière, flinguer ta vie, tout ça pour un mec qui a eu 20 fois l'occasion de s'expliquer, qui préfère se planquer. Désolé, l'ami. C'est lui qui devrait être à ta place. Il est trop occupé à faire votre boulot. Bon, bah, je te laisse la nuit pour réfléchir. Ensuite, l'IGPN prendra le relais. Je pourrai plus rien faire pour toi. Et moi, je pourrai plus rien faire pour vous. Quand Lino reviendra avec la voiture, vous pourrez pas dire que vous saviez pas. C'est sûr qu'il va se monter là. T'inquiète pas, il va venir. Et ramène-moi toutes les bagnoles ici. Pour un film. Il a été repéré à une station de service. Répète. Il a été repéré à une station de service.
Il vient de s'engager sur la T-60, il arrive sur vous. Renault 21 confirmé ? Confirmé. Terminé. Tu lui colles au cul, hein, pas qu'il puisse faire demi-tour. Tu préviens quand tu l'as au visu. Compris. On ferme le barrage. Ok, 21 confirmé. Il nous a repéré, on lui met la pression. Terminé. Vas-y, à toi. Arrête de gueuler, putain, j'entends rien. Putain, arrête. Arrête de gueuler, putain, j'entends rien, je te dis. Tirez, putain! Mais vas-y, dans les deux, connard! Putain, tirez! Thank you.
Ouais, Moss. Et la voiture, c'était quoi? Ouais, où? Je m'en fous que vos voitures soient pliées, vous me rattrapez, Areski. Areski répond. Areski, ordre d'arrêter la poursuite, les patrouilles sont en route. Si tu touches à Lino, je te préviens. Julia! Julia! Péchard, est-ce qu'il a approché Lino? Thank you.
Il est juste en bas, vous voulez pas lui donner vous-même? Non. Julia? Dis-lui de rester dans le coin. Au cas où on ait besoin de lui.